Salut les amis, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et là, on est sur. On se retrouve pour ma carrière manager avec Manchester City. Voilà, je vous montre le dernier match. Vous avez gagné 3-0. Nous allons enchaîner ces matchs avec cette. Voilà, juste un petit peu perdu déjà. Nous allons simuler. Et je vous dis déjà, les amis, ce match il va être complètement pourri. Je vous garantis pas que ça va être un beau match, voilà. Les amis, aussi, je veux vous annoncer la fin de la série Messi Aimé, qui veut dire ma carrière manager, puisque... Ma carrière joueur, je veux dire, puisque elle me gêne vraiment. Elle va pas être mon sauce, voilà, je prends pas du plaisir, voilà. Bon, bref. Allez, on va juger le match. Et les amis, nous allons se retrouver pour le match. Et les amis, on se retrouve pour le match. Nous allons jouer contre Hull City, voilà. J'espère vraiment gagner. Allez les gars. On est troisième en général avec 10 points derrière Manchester United et Chelsea. Voilà. Je vous répète qu'on est dans la ligue anglaise et qu'on est avec Manchester City. Je vous laisse la production, voilà. Je vous laisse regarder. Allez les autres, avec Varane. Voilà. Les amis, j'espère recruter Nabil Fekir ou Roberto Firmino, parce que David Silva, il se fatigue très vite puisque c'est le seul à s'opposer. Voilà. Allez, là il y a la composition. Allez, on se serre la main. Là, la composition de Manchester City. Je vous répète, c'est mon équipe 2. Vous allez remarquer que je n'arrive pas vraiment à jouer avec l'équipe 2. Voilà. Allez, on part pour le match. Allez, on monte les joueurs. Allez. Là, c'est Navas qui va se placer. Voilà. Là, c'est... Je sais pas vraiment c'est qui. Allez. Maintenant, monsieur Marco Verratti. Allez, le match va commencer. La balle d'engagement. C'est nous qui allons donner la première balle d'engagement avec Manchester City. Voilà. Et nous passons tout à la 5e minute. Et il saute peut-être. Vous voyez déjà qu'on parle avec des mauvaises solutions. Et là, il fait une passe le B. Il va sauter. Et peut-être le but. Et oui, le but. Je suis vraiment pas très fier de ce but, voilà. Et là, nous passons tout de suite à la 11e minute. On essaie de monter à l'avant. Allez, conservation de ballon. On décale du côté avec Sania. Sania. Allez, on nous fait reculer. On va essayer de faire une passe. Allez, Lampard pour Milner avec Bakker, le petit jeune. Et j'ai décidé de faire un changement et de faire... Et de mettre la composition 4-2-3-1, puisque j'arrive vraiment pas à jouer avec la composition que j'ai mis. Et je vais faire sortir ce petit jeune là, voilà, le backer, je sais pas comment on l'appelle. Allez, on place les joueurs. Et voilà, nous allons faire sortir et nous allons faire rentrer Ayu. Voilà. Je vous dis déjà les amis, c'est pas un commentaire direct, voilà, au direct. Je vous commente la vidéo après, voilà, comme ça. Allez, là il y a une touche. On va essayer de bien la jouer avec Ayu pour Clichy qui va sortir. Peut-être la tête qu'ils ont dégagé le ballon. Et lui on essaie d'aller vers la voie là. On se met bien Enrique Aubameyang. Il va aller peut-être, non. Il était stoppé et là il y a faute. Je comprends pas vraiment c'est quoi la faute. Puisque je crois pas qu'il y a faute. Pour moi il n'y a pas faute. Mais je vais la prendre et nous se mettre Franck Lampard qui va essayer de marquer. Voilà, le ballon qui était contré et le but, voilà, je dis avant puisque je sais déjà. C'est plutôt un beau but, je le dis déjà. C'est vraiment un beau but.
il n'était pas dur à le marquer, voilà. Allez, la belle reprise. Mais les amis, vous allez voir à l'avenir, le match il est complètement pourri et on va se faire baiser, voilà. Préparez-vous déjà les amis, c'est pas à moi de vous dire, vous allez voir à l'avenir. Allez, je vous laisse regarder. Allez, et nous allons passer tout de suite à la 45e minute. Et là, vous allez voir, il y a ce point but. Voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Et c'est fini. Mi-temps, les amis, mi-temps. Je trouve qu'on a mal géré cette première mi-temps. Et nous allons essayer de partir sur des plus belles ambitions, voilà. Et allez, nous passons tout de suite à la 50e minute. Et là, nous partons. Et non, il y a une petite faute. On espère ne pas prendre un but. Je l'espère. Et là, vous allez voir le saut. Et voilà. On se prend un but complètement dégueulasse. Les amis, qu'est-ce que je peux faire? Dégueulasse ce but. On ne voit pas tout le temps dans FIFA 15. Et voilà, c'est moi qui le prends. C'est vraiment dégueulasse. On passe tout de suite à la... Il manque pas la minute, voilà. Nous allons faire tête et peut-être la barre, on fait ça. Allez, voilà. Allez, on pousse les gars, on pousse. Le ballon pour Varane, Varane pour Clichy, Clichy qui a le ballon toujours pour Marco Verratti. Verratti pour Aubameyang. Aubameyang qui conserve le ballon. Aubameyang qui va faire une passe, peut-être le tir. Le ballon qui était récupéré avant, voilà. On pousse les amis, on pousse. Mais il y a une petite faute. Voilà. Mais la faute, elle a pas été faite maintenant, voilà. Allez, on va essayer de pousser. On essaie de pousser toujours. Allez, on va peut-être centrer. Et peut-être la tête. Oh là là. Et c'est fini. Sur cette défaite. 3 buts à 1. Je vous dis les amis, c'est vraiment très dur puisqu'on est en mode champion. Je n'ai pas vraiment l'habitude de jouer en mode champion, surtout en première ligue. Voilà, c'est la première fois que je joue avec une ligue anglaise. Et voilà, nous allons jouer contre Arsenal, une très bonne équipe anglaise. Nous avons déjà joué contre Arsenal et nous avons gagné. J'espère gagner ce match. J'espère vraiment, même si c'est un gros défi, jouer contre Arsenal en mode champion. Voilà, nous allons faire sortir à bureau et faire rentrer le numéro 10. Voilà. Allez, on cherche un joueur. C'est peut-être Jovetic. On va le mettre Jovetic. Voilà. Et on continue, allez les gars. Allez. Allez, oui. Voilà, ça charge. Nous allons partir pour ce match contre Arsenal. Là, je vais chercher un joueur, Roberto Firmino. Je suis vraiment passionné par ce joueur. Et j'espère vraiment le recruter. Ou Nabil Fekir, voilà, Nabil Fekir. Ce joueur qui a beaucoup de potentiel, il est vraiment très fort, comme de la réalité, et j'espère vraiment que j'ai le recruter, même si il est très cher. Voilà. Allez, et nous allons partir tout de suite pour le match. Et nous passons tout de suite pour le match. Allez, la balle d'engagement. Voilà. Allez, les gars. Allez, ça part tout de suite. Avec les îles pour Giroud. Giroud, Giroud pour... Couclin, je crois, Couclin pour Giroud, Giroud peut-être pour la frappe. Et vous avez vu les amis, ça part déjà avec cette belle occasion pour Arsenal. Et nous aussi, on va essayer de répondre avec peut-être cette passe en profondeur et peut-être les tirs et ça fait but. Et vous allez voir les amis, hors jeu, voilà. Hors jeu, je suis vraiment déçu. Mais on a bien répondu quand même à leur occasion. Voilà. Il faut d'abord regarder si c'était vraiment hors jeu. Et oui, il y a vraiment hors jeu, c'est vraiment réel. Voilà. Et nous passons tout de suite à la 17e minute. Et voilà. Faute. Nous avons fait une faute. Je voulais juste vous montrer. Ils sont en train de nous massacrer avec leur faute. Et voilà. Nous avons le ballon. Je vais passer à Marco Verratti. Et vous allez voir encore une faute. Encore une faute. Ils sont en train de vraiment massacrer nos joueurs. Et ça me déçoit vraiment. Allez, aussi qui fait du foot, voilà, c'est vraiment déçu de sa part. Et nous passons tout de suite à la 72e minute. Et là, penalty. Je ne comprends vraiment pas le penalty. Mais d'un côté, je dis que l'arbitre a raison. Je voulais bien tacler avec Varane.
Et malheureusement, le ballon était parti avant MDR, regardez. Il avait déjà fait une passe. Et voilà. Et après, il y a penalty. Je suis entièrement d'accord avec l'arbitre. Et là, il y a un bug. Voilà, avec Alexis. Allez, Giroud qui court. Alexis qui va passer. Qui va se passer pour tirer le penalty. On espère l'arrêter. Le suspense dure toujours. Allez, les gars. Allez, j'espère vraiment l'arrêter. Allez. On va l'arrêter et non. C'est vraiment dommage. On se prend un penalty. Allez. On va essayer de partir sur une plus belle route. Voilà. Sur des plus belles ambitions. On va essayer d'égaliser. Et d'essayer de gagner. Voilà. Allez. Nous passons déjà à 77e minute. On y a Touré. Il y a Touré toujours. Qui va faire passer pour ça dire pour un David qui va. Qui va faire un tourné, il va tirer. Il va passer, il va tirer. Et Zeko va tirer. Voilà le numéro 10. Et il a marqué. Et les amis, je vous avais dit, on va essayer de chercher l'égalisation. Et on est égalisé. Je suis vraiment très fier de ce but. Ça m'aide vraiment. Et ça m'aide, voilà. Allez. Ce but PS, on peut dire, il est vraiment dégueulasse. Mais c'est à quoi je le prends ce but, voilà. On va essayer de chercher d'aller marquer le but, voilà, et de passer. Devant, voilà. Et nous passons de suite à la 86e minute avec qui centre et peut-être la tête, voilà. Ozil qui va peut-être centrer. Ozil qui saute. Et là, ben, l'arrêt du gardien qui repousse le ballon. Et il va peut-être revenir. Les amis, on fait le pressing. On fait le pressing pour revenir, pour les faire reculer. Mais ça veut pas vraiment marcher. Voilà, il y a une petite faute. Et voilà, on se prend le but. Voilà. On se prend le but. Voilà. On se prend le but. Et voilà, on a marqué. On a marqué, voilà. Je suis vraiment très fier de ce but. On a marqué. Alors qu'on perdait vraiment. Voilà, on a marqué. Une belle reprise de volée, voilà. À quelques minutes de la fin. Je suis vraiment très fier d'avoir marqué et on va continuer. On va essayer de marquer notre but même si c'est complètement impossible. Allez, on prend le ballon, on va essayer de chercher l'autre but. Et voilà, on va essayer de chercher l'autre but. Et c'est fini, c'est un match nul, voilà, de partout. Voilà, je trouve que ce match était vraiment bon. On a bien joué, on a bien tenu le match. Il était vraiment difficile à le jouer. Il était vraiment difficile. Mais vraiment difficile. Voilà. Alléluia. Les amis, voilà. Allez. Allez les gars. Allez. Pour Roberto Firmino, j'ai pas eu le temps de voir, mais c'est vraiment très cher. Voilà. Allez, nous allons faire entrer à Aguero. Nous allons faire sortir à le numéro 10. Même s'il fait des bonnes rencontres. Mais je sais que je joue pas que le mérite. Mais faire tirer à Aguero, c'est presque impossible. On peut pas résister, voilà. C'est comme si Blanc, qui Laurent Blanc, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui fait jamais tirer Zlatan Ibrahimovic, alors qu'il ne joue pas vraiment bien des fois. Voilà, nous passons aussi pour le match, voilà. Et nous passons aussi pour cette occasion avec Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, toujours, il a fait un petit dribble, il est passé par Pierre-Emerick Aubameyang. Il a peut-être sorti, peut-être en tête de Yaya Touré. Et voilà qui est sorti, voilà. Je me perds dans mes mots, voilà. Et là, on nous passons tout à la 33e minute. Et la belle frappe de Pierre-Emerick Aubameyang qui va me donner un corner. Et j'espère vraiment marquer dans ce corner. Hein, oui. Voilà. Allez, la belle frappe de Pierre-Emerick Aubameyang. C'était presque impossible de marquer puisque c'est très difficile de marquer à ce point-là. Voilà. Nous allons passer à Verratti. Et là, vous allez voir. Quel but, les gars. Quel but. C'est Marco Verratti. Je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment.
qui a le budget, voilà. Excusez-moi les amis, c'était une petite coupure. J'avais eu un petit problème, voilà, avec mon casque. Voilà, je vous le conseille vraiment, ce Marco Verratti avec pour votre carrière manager. Voilà, et une bonne équipe, voilà. Une équipe qui a le budget pour le recruter, voilà. Parce que Verratti, c'est vraiment un monstre. Pas réellement un monstre. Il est petit, mais il est très beau, voilà. Pour son petit bijou, voilà. Et nous allons passer tout de suite à la 47e minute. Avec Yaya Touré, peut-être pour la frappe et la belle frappe de Yaya Touré, le bel arrêt du gardien qui va le ballon au corner. Allez, nous allons revoir la frappe de Yaya Touré. C'est bien frappé. J'aurais bien aimé que ça rentrait, ça aurait été vraiment joli. Là, on va faire le saut avec Silva, peut-être la tête de compagnie, et voilà. La belle arrêt de Paros, le gardien de Atlético Bilbao, voilà. Et c'est la mi-temps, voilà. Je suis vraiment très fier de cette première mi-temps. On a bien joué cette première mi-temps, on a bien géré, voilà. Allez. On a vraiment bien géré. Et nous passons tout de suite à la 55e minute. Et on va s'arrêter, on va faire une passe au profondeur et la belle frappe de Silva. Pas vraiment une belle frappe. Le but, il est vraiment dégueulasse. Voilà, mais je le prends ce but, les amis. Je le prends ce but parce qu'il est vraiment important. Il est vraiment important. Il est extrêmement important. Voilà. Les amis, je vous dis déjà de liker pour ce but-là. Liker. Et aussi de liker pour le but de Marco Verratti. Voilà. Et c'est fini. On se pose sur ce match très difficile. 2-0. Je suis vraiment très fier pour ce bijou-là de Verratti-là. Oh là là. Je vous conseille. Et pour le bijou de Verratti, pour respect pour ce but, mettez un like. S'il vous plaît, abonnez-vous, mais mettez un like, voilà. Nous allons aller dans le calendrier. Voilà, saison, calendrier. Nous allons regarder le prochain match, voilà. Nous allons jouer contre West Ham, je crois. C'est la nouvelle équipe de Payet après Tottenham. Et après, nous allons enchaîner ce match contre Porto. Un grand match de poule contre Porto. Et après, là, il y a les transferts. Et j'espère recruter Roberto Firmino et Nabi Fekir. Nous regardons notre classement. Nous sommes quatrième derrière une équipe que je connais pas. Manchester United deuxième et Chelsea premier. Voilà. Je ferai pas de rapport d'équipe puisque ça me demande trop de temps. La vidéo est dure déjà 17 minutes et 54 secondes. Je pense vraiment pas à continuer. Voilà. Allez. Et les amis. J'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous. Et voilà. Et sinon, salut.